I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? Woo! N.W.O. The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et bienvenue à ce spécial les meilleurs matchs de Shawn Michaels, c'est-à-dire ces matchs qu'il a fait à WrestleMania. Je suis en compagnie de Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, et toi? Yes, ça va super bien. Merci, chers auditeurs, d'être toujours fidèles. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, saison 5. Et comme mon partner Benoît l'a dit, ce sera un spécial sur Mr. WrestleMania. Et on parle, bien évidemment, de Shawn Michaels. Shawn Michaels qui nous a fait triper. C'est un méchant temps quand on était jeune. Ah, et c'est puis, sûr. Faire des bons matchs avec des balais, là, comme on dit. Oui, c'est ça. Puis, on se le cachera pas. Il a réinventé un peu la lutte Cruiserweight. C'est lui qui a ouvert la porte aux petits gabarits aussi dans la lutte professionnelle. Ouais, parce que là, tu sais, le scandale des stéroïdes qu'il y avait eu, là, McMahon, il voulait mettre des personnes plus petites qu'Hogan, là. Shawn puis Brett, pour, comme tu dis, révolutionner. Des années 90, lui et Brett, c'est pas mal les deux tops. Il y a eu Austin vers la fin des années 90 aussi. Yes. Donc, commençons vivement dans le sujet. Donc, mon ami, tu voulais nous parler de WrestleMania 5. Oui, oui. À l'époque, Shawn Michaels faisait partie des Rockers avec Marty Jannetty. Tu le dis. Yes. Ouais, ben c'est ça. C'est le premier WrestleMania des Rockers, qui est WrestleMania 5 au Trump Plaza à Atlantic City, New Jersey. Yes. Ils ont malheureusement perdu par pinfall contre les Twin Towers avec un splash de Big Boss Man. Et, tu te rappelles la fameuse clothesline de Hakim? Ben oui. Hey, quand tu regardes ça, tu penses qu'il est mort, hein? Oh oui, tu penses qu'il est mort. Il doque la clothesline, elle laisse la clothesline. Oh, il a dévissé la tête. Ah, c'est clair, il a senti de quoi, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Par la suite, il y a eu WrestleMania 6 où, encore une fois, c'était une défaite des Rockers. Par des comptes à l'extérieur contre Orient Express. Orient Express, qui était constitué de Sato et Tanaka. Une Moses de belle équipe à avoir lutté à l'époque. Là, mal utilisé. Ouais, vraiment. Mais c'était un, comme dirait si bien Tatanka, un stack de roster. Là, tu sais, c'était. Ils pouvaient pas utiliser tout le monde parce que c'était rempli de talent et tout ça. Fait que tu sais, il y en a qui. Ça se passait un par-dessus l'autre. Là, c'était le roi de la montagne, comme on quoi, dit. C'est quoi qui est écrit, tout? Ben, en fait, Jannetty, il reçoit de la poudre dans les yeux par Sato et ne parvient pas à remonter dans l'arène. Donc, Shawn Michaels se fait piner à l'extérieur. Il se fait compter à l'extérieur, c'est ça. OK. WrestleMania 7, premier combat de WrestleMania 7, d'ailleurs. Yes. Victoire des Rockers par pinfall contre Aku et Barbarian. Un magnifique crossbody de Shawn Michaels sur Aku. De toute beauté. Mais c'est ça. C'était ce qu'il fallait mettre pour débuter un show. Là. Ben oui, c'était l'opener. Le match le plus important, c'est souvent le premier match. Parce que si tu pars bien la soirée, tu tiens les spectateurs en haleine, là, comme ils disent. C'est ça. Donc, il y a eu par la suite WrestleMania 8, une victoire par pinfall de Shawn Michaels sur le El Matador, Tito Santana. Ils ont eu une belle rivalité aussi, Shawn Michaels. Ben, en fait, c'était à l'époque de son heel turn. Ouais, il s'est reviré au barbershop contre Marty Jannetty. Yes. Il avait sa carte avant de la vite. Ouais, le classique là, du barbershop. C'est un des greatest heel turn of all time. Tout à fait. Vas-y, mon ami. Ensuite, WrestleMania 9 au Caesars Palace de Las Vegas. Show à l'extérieur avec la Grèce et la romantique. Là, c'était. Tout à fait. Encore une fois, un opener. Ouais, pour le championnat intercontinental contre Tatanka. Cependant, il perd par décompte à l'extérieur. Ça, c'est la raison pourquoi il conserve la strap intercontinentale parce qu'il n'a pas perdu par pinfall ou submission. S'il est disqualifié ou s'il est compté à l'extérieur, la strap ne change pas de main. Tout à fait. Par la suite, le WrestleMania 10, qui est un classique, il a fait partie une fois de plus des matchs les plus importants de l'histoire de la lutte professionnelle. Je parle bien évidemment
du match d'échelle contre Razor Ramon pour le titre intercontinental. Un match qui a été le match de l'année de 1994 selon le Pro Wrestling Illustrated. Et ben, tout le monde va se souvenir de ce combat-là. C'est mémorable. Des, Le premier vrai match échelle tout à fait, que je me souvienne. Oui, oui, il y en a peut-être eu des années 70, mais c'est vague. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment le plus connu. L'officiel, pour le WWE surtout. À ce temps, c'est des Money in the Bank, des TLC, y en a, c'est pas ça qui manque. Ben, c'est ça, puis on se souviendra que les Hardy Boys, Christian Edge et les Dudley ont innové en termes de ladder match. Voilà. WrestleMania 11, qui était à l'arène des Winners d'Hartford, le Civic Center. Yes, pas l'arène de Lausanne. Chris, non. Défaite de Shawn Michaels pour le championnat de WWE contre son grand ami Kevin Nash, Diesel. Yes. Par pinfall. Ben, tu te rappelles, Jenny McCartney, elle accompagnait Shawn Michaels, puis Pamela Anderson, elle accompagnait Diesel. Diesel, ouais. Puis c'est ça, ben, ça finit par le fameux Jackknife. Powerbomb. Match of the Year en 1995, d'ailleurs. Tout à fait. Pour le Pro Wrestling Illustrated. Il pourrait aussi s'appeler Monsieur Match of the Year, parce que pour vrai, il y a quand même, tu sais, même en, excusez-moi, même à WrestleMania 12 contre Bret Hart dans le Iron Man match, ben c'est le Match of the Year en 1996. Tu sais, Michael qui gagne son premier championnat poids lourd de la WWE. La fameuse ceinture Eagle, là, la classique, là. Donc, qui a toffé. Y a-t-il des rumeurs? Ben, ils vont la ressortir pour moi, cette strap-là. Ben, moi, je pense que si Cody gagne, ils vont la ramener. J'espère. Oui, je souhaite bien. Yes. WrestleMania 13, mon ami. Oui, WrestleMania 13, ça a pas de... il n'a pas lutté. Parce que je vais vous expliquer la raison. Michaels n'a pas lutté. Il a mis son titre WWE vacant. Oui. Plutôt dans l'année, prétextant une blessure au genou. Tu sais, il y a Arrow, il a fait une promo. Ouais. Il disait quasiment que sa carrière est en péril. Ouais. Il va aller mourir. Non, je sais. Mais certains, ils vont dire que c'est parce qu'ils ne voulaient pas perdre contre Bret Hart. Là. Ils ont sacré la ceinture vacante. Qui croire, tu sais? Il était-tu vraiment blessé? C'est parce qu'il voulait... Tu sais, ça serait à discuter. Par la suite, WrestleMania 14, une défaite de Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin pour le championnat WWE et a arrêté de lutter pendant 4 ans. À cause d'une blessure au dos, tu te souviens, le fameux flip, je pense que c'est de là que ça venait. Ouais, moi, ce que dans le coin. Ouais, ben, c'était le fameux match de cercueil contre Undertaker au Royal Rumble. Mais je pense qu'il a rempiré sa blessure avec le flip dans le coin. Ok, c'est ça. Moi, c'est ma théorie. Là. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Mais, il a fait quand même des apparitions comme commissioner. Yes. Donc, 4 ans plus tard. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, excusez-moi. WrestleMania 19. WrestleMania 19, victoire de Michaels par pinfall contre Chris Jericho et Christine Match. Un petit combat, pareil. Hein. WrestleMania 20. Défaite de Michaels dans un triple threat contre Triple H et Chris Benoit, qui a fait son fameux crossface. Triple H, oui. Yes, match of the year de 2004. OK, WrestleMania 21, défaite par soumission de Michael sur le ankle lock de Kurt Angle, match of the year 2005, match qui a été très médiatisé, puis il avait fait même un match, avant WrestleMania, il a fait un match Marty Jannetty contre Kurt Angle. Marty Jannetty avait livré la marchandise. Ben oui. Il y avait une réunion des Rockers à Raw. Ben oui, je m'en souviens comme c'était hier. Ben oui, c'était très cool. WrestleMania 22, mon ami, victoire de Michaels par pinfall dans un No Holds Barred match contre Vince McMahon. Et une fois de plus, c'est le match of the year selon le Pro Wrestling Illustrated de 2006. Tu sais, à un moment donné, McMahon, il se met clôt au genou, le string à l'air. Là il pense que c'est Michaels qui se fait sacrer la face dans son cul, mais finalement, c'est McMahon, il est là qui... Ça a fait sa chaîne. Ah, c'était comique. C'est quand même drôle. WrestleMania 23. Oui, à Detroit au Ford Field. C'est la défaite de Michaels contre John Cena par soumission. Le STF, parce qu'on peut dire STFU, c'est pas poli. De John Cena pour. Ben, c'est ça. Il a conservé son titre de WWE face à Michaels dans ce merveilleux galop. WrestleMania 24, victoire de Michaels par pinfall contre Ric Flair et a envoyé ce dernier à la retraite, le match de Pro Wrestling Illustrated, Match of the Year 2008. Et on se souviendra du fameux super kick. I'm sorry, I love you, le fameux kick d'en face. Yes. C'est ça, la stipulation était que
Si Flair perdait, il allait à la retraite. Mais tu sais, il est revenu le pire. Tu sais, à TNU, il a fait des matchs à TNU, mais à WWE, il n'a jamais relutté. Il était manager ou quelque chose comme ça. WrestleMania 25, défaite de Michaels par pinfall contre Undertaker, match of the year en 2009. Wow, il fait son espèce de moonsault, il pogne en position de tombstone. Ouais, un esti de tombstone pour le dire. C'est un excellent match. WrestleMania 26, mes amis, défaite de Michaels par pinfall une fois de plus contre The Undertaker et qui finit par être le match of the year de 2010. Selon le Pro Wrestling Illustrated, une fois de plus. L'année d'après, lors de WrestleMania 27, à la cérémonie du Hall of Fame 2011, il est intronisé au Hall of Fame. C'est vachement bien mérité, comme on dit. Tout à fait. Il est intronisé par son grand chum, Triple H, son ami de toujours, son partenaire, bref, son frère. Kim, plusieurs années après, pour WrestleMania 35, ouais. Il a été intronisé au Hall of Fame 2019 de la WWE en tant que membre de la D-Generation X. Donc, il fait partie des quelques lutteurs à avoir un double Hall of Fame, dont Bret Hart, Booker T, Ric Flair. Sean Waltman, en tant que DX, mais en tant que NWO. Oui, c'est ça. Hogan. En solo NWO, Kevin Nash en solo NWO, Scott Hall NWO, mais Razor Ramon en solo. Ouais, c'est ça. En solo, il est en Razor Ramon, il n'est pas en Scott Hall. Non, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est un énorme parcours qui a été fait par Shawn Michaels. On peut dire ce qu'on veut sur Shawn Michaels. Moi, à l'époque, j'étais jeune, puis j'adorais Shawn Michaels. Ah, moi tout. Mais en vieillissant, je me rends compte que peut-être c'était un visage. Mais c'est face un peu. Tu sais, souvent, on ne saura jamais vraiment la vérité de ça. Mais Hulk Hogan, il n'est pas aimé de tout le monde. Là. Non, ben, il y avait un égo démesuré. La coche que Vince Russo pète là, à Bachelor Beach 2000, là. Il dit des gars comme Hogan, ça l'a empêché des gars comme Booker T, Jarrett de monter. Des gars comme, c'est ça, Booker T qui se crève le cul depuis 14 ans. Là. Il est juste champion US, mettons. Non, c'est ça. T'sais, il aurait mérité avoir les voix de ben avant, Booker T. Tout à fait. Ils ont donné tout un cadeau à la fin du show. Là. Quand il voit Jarrett, c'est excellent. Là. Et puis, au début des années 2020, Shawn Michaels a été promu comme Booker pour la division NXT. Ben, il est encore, je... Oui, tout à fait. Il est encore. Puis, ça s'enligne pour un Booker of the Year, là. Parce que 2024. Puis quand tu checkes la biographie de Shawn Michaels qui a passé à Canal 2, je suis tanné avec mon esti de Canal 2, là, mais il donne vraiment des trucs au nouveau. Là, c'est vraiment. Ce gars-là, c'est la perfection. Là, il va toujours trouver le petit point faible qui te manque pour perfectionner, pour être encore meilleur. Exact. Là. Puis c'est une tête de lutte. Là. Il a entraîné quelques-uns à l'époque, là, dont Daniel Bryan. Bryan a fait partie des chanceux à pouvoir. Dire qu'il est entraîné par Shawn Michaels. Il a le regretté Lanskade. Ouais. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment de détente avec Benoît et Jonathan sur Mr. WrestleMania pour le week-end de WrestleMania. J'espère qu'on va voir Shawn Michaels durant le WrestleMania 40. Et j'espère que vous avez apprécié ce temps avec nous. On vous souhaite un excellent WrestleMania. Revenez-nous très bientôt pour une entrevue ou une émission spéciale. Je ne sais pas si je te donne une chop dans la prochaine émission spéciale ou si je me mets une paire de bobettes sur la tête. Je ne sais pas. L'avenir ne le sera. L'action ne manquera pas, les amis. Au revoir!